Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Air Max 97 pour filles. Il y a forcément une collection pour hommes, mais là, je n'ai qu'en ma possession une paire de chaussures de cette marque pour filles, tout simplement parce qu'elles sont à ma sœur. Et je vais vous expliquer une petite histoire tout simple pour cette Air Max 97. Elle a été inspirée par la première et l'Air Max 95, car la première Air Max tout court a tout simplement avait des bulles juste à l'arrière et non pas sur toute la longueur comme la 97, et la 95 avait sur les pointes et sur le talon les bulles tout simplement, et donc ça a inspiré pour faire la paire Air Max 90. Pour ce qui est des caractéristiques, c'est tout simple, il y a une empeigne en cuir hein, ou en synthétique ou en tissu, ça dépend du modèle. Il y a une semelle en mousse avec l'amorti Air Max bien entendu. Et il y a une semelle extérieure en caoutchouc. Et ce qui est bon à savoir, c'est que la paire de chaussures vaut 180 €. Donc c'est pas à laisser de côté. Ça fait quand même une somme. Donc si vous avez d'autres choses à faire, mettez-les en priorité. C'est pas une paire de baskets qui est bien sûr prioritaire. Pour ce qui est de mon avis, les gens, bah écoutez, c'est une paire de chaussures que je trouve assez rigide, même à la vue. Je trouve que on voit bien que c'est voilà, c'est pas quelque chose que tu peux abîmer vite, hein. C'est pas quelque chose avec lequel tu vas te rentrer un clou dans le pied. C'est quand même du costaud niveau semelle, hein, la semelle en mousse ici avec la semelle Air Max qu'il y a ici. Donc ça protège vraiment bien le dessous des pieds. Après, la forme est un petit peu en bateau pour que ça se fasse à la forme des pieds, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, ouais, le point négatif pour moi, c'est peut-être la rigidité qui fait que ton pied est vraiment serré et peut-être même étouffé. Donc c'est peut-être pas bon pour les pieds, mais après, c'est de la qualité. Le design est vraiment super beau. Moi j'aime vraiment beaucoup, c'est sobre, c'est très sobre, surtout de ce coloris là. Mais elle a son effet sur des tenues, tout simplement. Donc moi, pour cette paire de chaussures, bah écoutez, si je devrais mettre une note sur 10, je mettrais sûrement 8. Voilà, donc avec le point négatif de la rigidité. Sinon, niveau qualité, bah écoutez, c'est Nike, donc c'est de la qualité. Et puis de toute façon, ça se voit, hein, c'est une belle bébête. Donc voilà pour mon avis, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'innover en faisant quelques petits plans, en changeant un petit peu de méthode de montage et tout. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des paires d'Air Max 97, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloris, bien évidemment. Et si vous avez d'autres paires d'Air Max ou des chaussures que vous voulez que je présente, il n'y a aucun problème. Donc sur ce, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like. Gros bisous, peace, mais pas sur moi. Pouh.